Wow! Décoté des booms. Wow, ok. Oh, on doit faire quelque chose à la vidéo, on doit faire quelque Oh, chose. mais je m'en fous, je me sens générique. Je mets le générique dès que t'es des zooms là maintenant tout de suite. Bref, ça fait qui tout le monde sait que c'était bon, une nouvelle vidéo. Alors très spécial, on est en compagnie de l'Homme's Go. Donc sa chaîne s'affiche en haut à droite en fiche, allez vous abonner, voilà, ça lui ferait plaisir je pense. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. Ah. Alors donc, le concept d'aujourd'hui il est très simple. Du coup le concept de la vidéo je l'ai complètement volé à Mastu, on va aller sur Akinator. Et sur Akinator, en fait, le but, ça va être que l'autre devine avant nous ce que la personne qu'on a choisi. Et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre. C'est quoi la trisomie 21? Bonjour, je suis Akinator. Pense à un personnage réel ou fictif. Je vais tenter de le deviner. Attends, bah, c'est qui commence? Vas-y, je commence à deviner et toi t'essaies de deviner okay, qui bah, je trouve. Quel... Attends quoi? T'essaies de deviner qui j'ai en tête, genre. Ah ok. Alors, comment on fait pour commencer le jeu? Bah jouer. Où? Où est-ce qu'on joue même? Bah faire jouer. Ah bien. Alors. Alors, sélectionnez le thème du jeu. Personnage, objet, animaux. Personnage. Moi c'est un personnage. Donc je pense en fait, je sais même pas à qui je pense. alors attends, faut que je pense à quelqu'un. One eternity later. Non. ok, c'est bon. Tout personnage est-il réel? Oui. D'un sexe féminin? Oui. Ah. Alors oui, donc maintenant avant de répondre à cette devinée, enfin, t'as une seule chance pour deviner. J'ai oublié de dire qu'à la fin, le perdant. Genre, t'as qu'une seule. Tu peux dire qu'un seul personnage. Ok. Ah ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il y a un gage que je n'ai toujours pas dit à l'Homme's Go et qui est actuellement en sueur. C'est qu'en fait, quand il aura sa chaîne, le perdant aura le droit de faire une pub gratuite sur la chaîne de l'autre. Ah, oh, mais en fait, toi, ça t'arrange. Ben non, le gagnant aura le droit de faire une pub gratuite sur la chaîne de l'autre. Ça t'arrange pas. Moi, ça m'avantage pas. Parce que... Oui. Ouais, bah, moi, en vrai, je veux bien gagner. Parce qu'en fait, ça. Oui, j'avoue que ça arrange bah, plus fait, l'Homme's Go. Une pub de chose. En fait, déjà. Oui, ça... eh, mais c'est. Je viens de lui faire une pub et en plus, bon bref, allez hein, on va faire, c'est ça le défi, voilà. Allez hein. Donc, trop, faire la vidéo, je déjà ma chaîne YouTube. Du coup, abonnez-vous. Voilà. Est-il un youtubeur? On entre dans la partie, non pas du tout, si en fait, si c'est un youtubeur. C'est une youtubeuse. C'est, ça aurait pas été une youtubeuse, il était perdu là. Ton personnage possède-t-il un chien? Je ne sais pas du tout. Ton personnage fait-il partie du milieu de du jeu vidéo? Pas du tout. Ton personnage est-il dans le domaine de la musique? Si il est, mais genre pas entièrement, pas trop. Moi je vais dire non parce que c'est pas son job par entière. Est-ce que je peux te poser une question? Tu peux me vas-y, pose-moi une question. Est-ce qu'elle est dans le truc maison grise, je sais plus quoi avec. Ah c'est dans la maison grise. Non, elle n'est pas, elle est pas dans la maison grise. Ça aurait été trop simple. Ah. Ça aurait été Camille LV. Oh, ton personnage a-t-il été découvert sur YouTube? Mais il me pose deux fois la même question, il est débile. Oui. Personnel fait-il des vidéos comiques? Oui. A-t-il plus de 45 ans? Mais j'en sais rien. Attends. Non, sur YouTube peut-être pas. Regarde pas. Regarde pas. Je vais chercher un page. Je sais même pas si je peux. Il y a une page Wikipédia. Regarde pas, hein, tu triches pas. Non, non, ouais, voilà. Triche pas. Hein. Ok. 1985-2021. Bah si, ça fait 45 ans. 85. Hein? Hein? Ouais, c'est bon, plus de 45 ans. Mais moi, je connais qu'une seule personne. Vas-y. T'as quelque chose à proposer ou pas? Dis-moi qui tu penses, dis-moi qui tu penses. Studio Daniel. Ok, bah dis, bah ok, bah. C'est pas. Faut que tu voyes, faut que tu voyes.
Je t'ai parlé d'une bande de filles, pas du tout. Attends, laisse-moi réfléchir. Attends. Alors, parce que là, ça pourrait être Enjoy Phoenix hein, à tout moment. J'avoue qu'il y a tellement, en fait, tellement de youtubeuses qu'on connaît pas, mais qui sont connues. Je connais. Oui, Enjoy Phoenix, on connaît. Enfin, je pense. J'ai enfin, jamais regardé de vidéo d'Enjoy Phoenix. Alors, attendez, on va inaugurons ça. Moi non. Alors, attends. Enjoy Phoenix. Transformation, grosse frayeur et shooting improbable. J'ai le droit d'aller sur YouTube pour chercher. Non. Hello, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps. Oh, déjà une vidéo sponsorisée. Aujourd'hui pour un weekly vlog et c'est un format que j'ai jamais fait. Eh ben je m'en fous, allez salut. C'est quoi la trisomie 21? Eh ben je m'en fous, allez salut. Attends, elle est plus de 46 ans. Elle a 46 ans. YouTube. Du coup non, fais pas partie de bande de filles. Elle ne fait pas. Mais il y en a un, moi. Il a combien, elle a combien d'abos? Ah, je sais pas, ça je vais pas te... Plus de 500k? Je sais pas. Oh ouais. Ton personnage est-il en duo? Pas du tout. Ton personnage a-t-il des talents de compteur? Genre c'est pour compter. Quoi? Je sais pas. Comment? C'est pas du tout Céline H, youtubeuse humoristique, pas du tout. Ouais, non, là. On continue. J'aurais jamais honte, de toute façon. Je sais même pas ce qui. Ton personnage est-il ma. Tuez-moi, s'il vous plaît. Tuez-moi. Non, mais je crois qu'on va. Ni moi, ni Akhenator va trop bien. C'est. Mais. De toute façon, c'est. J'ai pas dire, parce que c'est facile, mais normalement, il trouve. C'est dans son répertoire. A-t-il incarné un cinéma Isabelle Huppert? Retourne-toi. Enfin, regardez, c'est qui Isabelle Huppert? Non, mais je connais. Isabelle. J'ai une tête avec 3 L, ça va marcher. Huppert. C'est pas elle puisqu'elle est née en 1953. Mmh. Pas du tout. Je connais pas. Pas du coup, c'est mort. Ton personnage est-il accompagné d'un cochon? Je vais pas y arriver. D'un cochon? Bah non, parce qu'il est pas accompagné de moi. Je suis en train de m'insulter sur ma propre vidéo. Non, du coup. Ton rapport a-t-il un... Attends, j'ai mal lu. Ton personnage a-t-il un rapport avec le... Oula. T'as bien lu. Non, pas du tout. Ton personnage est-il passé à la télé? Très probablement. Oui, bien sûr. Oui. Parce que c'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs. Ouais. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dingo, mais les vrais, du coup. Nique ta mère. Oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu, donc... Ah ouais, c'est vrai. Je sais même pas c'est qui studio. Oh là là, il connaît parfait. J'ai aucune culture YouTube. Ton personnage a-t-il un couteau là blanc en ivoire? Ouh, c'est quoi ça? C'est un couteau, non? Grand couteau de boucherie. Qui a un couteau là blanc en ivoire? Sérieux, non? Moi. Hein? Ton personnage a-t-il été connu en mettant des vidéos sur internet? Oui. Ton personnage s'apparaît-il dans Demain nous appartient? Non. Ton personnage est-il devenu connu grâce à internet? Putain, mais il vient de me la poser c'est de l'or.a. Pas du tout. 46 ans. Mais. Je bloque sur ça. Jennifer Jenny Leterrier. Pas du tout. Ah, elle. Je sais pas c'est qui. Hein. Oh là. Oh là là. T'es désespéré. Oh, t'es le pire. Ton personnage se produit sur scène? Non. Est-il mort à cause d'un problème cardiaque? Il est pas mort, du coup, non. Enfin, du coup, elle. Il va jamais trouver. A-t-il plus de 30 ans? Mais t'es débile, je t'ai déjà dit non. Abonnez-vous. Retrouvera jamais vit-il en Belgique? Non, ton personnage fait-il partie de Fairy Tail? Non, ce personnage est célibataire, ne sais pas. Pas du tout, quoi. Il demande ça quand même, ça sans raison. J'ai 60 questions, on est à la 60ème question, vraiment je suis au bout de ma vie. Fait-il partie d'une bande? Non! Je t'ai déjà dit non! Elle a déjà fait un feat avec Sylvie? Alors je ne sais pas. Et tu sais rien. Oh là là. Alors attends, bouge, je vais voir. Oui, elle a fait un feat avec Squeezie. Ok, je vais voir toutes les vidéos. Tu rends fou. Ton personnage chante-t-il des chansons humoristiques? Oui. Je sais même pas. Oui, si, c'était humoristique. Twerk. 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 Partages-tu les mêmes arrière-grands-parents que ton... Hein? Partages-tu les mêmes arrière-grands-parents que ton personnage? Ah.
arrière-grand-parents. Donc non, clairement pas. Hein. Ton personnage est déjà, est-il déjà tombé amoureux de toi? Non. Oh non, ne me dis pas que... Quoi? Tranquille. Ton personnage est-il déjà... Il a 36 ans? Ouais. De quoi? Ne me dis pas que c'était elle. C'était d'un tour. Elle avait pas 46 ans, elle avait 36 ans. T'es pire. Je suis trop nul. T'es tellement pire. Ah, elle avait pas 46 ans. Non, 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 elle a pas 40. Oh là là. Je suis nul, wesh. T'es Natou. Donc, Lumsgo, tu as actuellement... Bon, en fait, t'es 0-0. Non, j'ai trouvé. Oui, t'as trouvé, mais du coup, c'est en fait, ça... ah, c'est 0-0. Ok, ok. Je sais pas danser, je bouge comme un boulet et t'as mal aux yeux, même si je fais mon mieux. Ton personnage est-il réel? Oui. Ton personnage est-il de sexe féminin? Non. Ton personnage fait-il partie du milieu des jeux vidéo? Tais-toi. En fait, si vous voulez, j'ai programmé mon téléphone pour que dès qu'il a plus de 50%, ils disent, ils parlent en fait. Ton personnage est-il un youtubeur? Yes. Oui. Ton personnage fait partie de la team Crouton? Non. Ton personnage s'intéresse-t-il aux démons? Je sais pas. Ton personnage a-t-il un lien avec les ninjas? Non. Ton personnage cache-t-il son visage? Oui. Oh gros, je crois que j'ai deviné. Mais je veux pas le dire. Enfin, je veux pas le dire parce que je pense que je vais tout foirer. Oh, on sait pas. Il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs possibilités. Sauf c'est. Y a ça, Fufa. Ça c'est Aspaz. Il y a Fufa. Oui, mais il y a pas que lui. Il y a Fufa. Il y a aussi Punisher. Non. Ouais, il y a Punisher aussi, ouais. Il y a. Je sais plus son nom là. Le gars qui fait des vidéos avec sa cagoule. Bah, la cagoule. Non, il y a la cagoule aussi. Il y a aussi un autre là. Ouais. Celui qui fait Shell. Tu sais, le truc de Shell. Shell. Voilà, masqué. Donc il y en a 5. Oh là là. Après, c'est les 5 que je connais. Il y en a 5 que je connais, tu vois. Personnage est-il présenté à la présidentielle? Non. J'ai besoin. Homme qui a subi la castration. Ah. Ton personnage est-il eunuque? Je ne sais pas. Ce serait bizarre. En fait. Ton personnage est-il un gacha-tubeur? C'est quoi? C'est les gens qui... C'est les youtubeurs qui font des gacha live. Gacha. Les Gacha Life, c'est les. Live sur Secool d'ailleurs, il avait fait. Du coup, il avait. Gacha. Fait... Gacha Life. C'est des YouTube. Enfin, c'est des vidéos animées un peu japonais. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Et en fait, Live sur Secool a fait des réactions à Gacha en disant gacha. Ouais. Gacha. Catapulte des morts. Ton père et ta soeur. Ah. C'était quoi la question du coup? Merde, j'ai cliqué sur un truc. Ça va, tout en lui. Ah non, c'est bon, ok. Ton personnage était là? Bah non, du coup. Du coup, non. BDD. C'est qui? Je sais pas. Attends, c'est pas un... Bah si, du coup, c'est un youtubeur Fortnite. Bah c'est du coup, fait... c'est pas lui, hein. Ton personnage était un personnage imaginaire ou fictif? Ça se passe? Non, oui. Yes. Gros, je sais pas le dire, mais vas-y, ça rendait fou, parce qu'il allait encore recommencer comme la dernière fois. La lecture, c'est cool. Mais ouais, c'est pas la lecture, c'est que ça la même chose. Ok, du coup, il y a 1-0 pour moi. Ah, j'ai le seum. Ouais, t'as le seum. Donc, vas-y, je recommence. Tout à l'heure, tu t'étais trompé, t'as capté. Akina, ouais, j'avoue. Mais vas-y, je m'en fous. Ouais, il y a 1-1. Allez, 1-1-1-1, je suis gentil. 1. Non, ok, 1-0. Alors, je vais faire un plus simple. Ce que je trouve. Ouais, bien plus simple, ouais. Ouais, parce ouais. Que bon, c'était simple à la fin. C'était pas une merde, en fait, c'était bon, plus simple. C'est l'énorme 1985, je suis une énorme merde. Voilà. Je sais pas calculer. Ma prof de maths actuellement. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Du coup, personnage, mais je sais toujours pas lequel. Hein. Alain de. Qu'est-ce que je peux. Ah! Ah! J'ai envie de mettre un personnage vraiment insolite que tu connaîtras peut-être, mais genre pas. Je vais voir sur YouTube qui. Ah. Non, non. C'est pas lui? C'est pas Rayton. Ok, tranquille. Non, on continue. Dis ton idée, t'as quoi en tête? Link. Mm-hmm. C'est lui ou pas? Je ne sais pas, tu dis ou tu veux. Tu confirmes là? Non. Tu confirmes pas? Ouh. Personne, non.
C'était lui ou pas? Non, t'as eu très peur, non? Oh là, oh on continue. Est-ce que je peux tous les dire? Enfin, tous ceux que je connais. Tout ce que tu penses, ouais, vas-y, dis. Bah, je m'en connais pas beaucoup. Je connais Guillaume. Discovery. Oui. Par contre, ça fait combien de temps qu'on tourne, petit Dixclaim? Ça fait 33 minutes qu'on tourne, le montage en sueur. 33 minutes, ça va. Yes. Et ça y est, l'épisode de demain. On prend l'épisode de sa machine. Tranquille. Du coup, abonnez-vous pour avoir la notif et mettez la notification. Merci. Fiche en haut. Ah mais je peux mettre deux fois la fiche d'une seule même. Sa chaîne dans la description, les gars. Ouais, voilà. Je suis beaucoup trop gentil. Hein. Je mettrai ma chaîne dans les commentaires. Non. Il a trouvé. T'es trop bête. J'avais fait une vidéo dessus. J'avais fait une vidéo dessus. Il a pas trouvé. Oui. Ça fait 2 points pour moi, les gars. Pas trop le seum. Il est parti. J'avais fait une musique sur un animal et il s'en souvenait même plus. Tous les critères, fais-tu de la high-tech, des balles-t-il des produits, as-tu une voix grave, t'avais tout pour trouver. Ouais mais Anonymous je le regarde pas trop. Du coup, moi je le regarde beaucoup trop. Non. Bah pas moi. Yes bah t'as trouvé. Hein. Oui c'était Anonymous. Génial, trouvé après 90 questions. Pardon. Bien, 90 points. Non je sais pas du tout. Salut tout le monde, c'est Anonymous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là vraiment ce qui se passe c'est incroyable. Thème du jeu, du coup, personnage, objet ou animaux? Bah, personnage. Est-il un garçon? Quoi? Oui. Ton personnage, tu es... Non. C'est pas un game. A-t-il plus de 30 ans? Attendez. Je ne regarde pas, maintenant je fais un ASMR. Avouez l'homme go, il est con. J'ai entendu l'homme go. T'as entendu l'homme go? Ouais. T'as pas entendu le reste? Non, okay. Abonnez-vous peut-être. Ah, j'ai peut-être dit abonnez-vous à la chaîne de l'Homsgo. Pas du tout. Ah, pas du tout là. Ok, du coup, non. Non, il a moins de 30 ans. Oui. Du coup, ça veut dire que genre il a plus de 25 ans parce qu'il a hésité. Alors, c'est la dernière question. Tu trouves dans celui-là, t'es baisé. Pourquoi? Dans tous les cas, j'ai gagné. C'est la dernière. Non, continue, on continue. Mais j'ai un montage à faire aussi. C'est un délire upload. Je le ferai à ta place. Tu m'envoies les screens et. Enfin, tu m'envoies la vidéo et je le ferai à ta place. Jure? Vas-y. Oh, vas-y. Le montage, c'est l'Homsgo. Alors, abonnez-vous tout de suite à sa chaîne, d'accord? J'ai trop envie de faire. Allez, ton personnage est-il dans le domaine de la musique? Oui. Je pense à Joyka. Non. Oh, merci de m'avoir dit la réponse. Oh, merci. Hein. Je pense à Yvick, Mister V. Non. Mais après, maintenant, je dis plus oui. Ouais, ok, d'accord. Donc, c'est ni Yvick, ni Mister V, ni Joyka. Ouais. Je crois que oui. Ton personnage habite-t-il en France? Probablement. Bah, je sais pas trop où il habite quand. Oh, okay. Est-il un rappeur? Oui. Oh non. S'est-il déjà drogué? Alors, pour nous. Ne sais pas. Probablement. En vrai, c'est probable. Mais je crois pas. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Il y a un double bug de cerveau là. Ça veut dire. Je ne sais pas du tout. Dans l'œuvre, ça veut dire. L'œuvre, c'est genre. Imaginons, il est dans un film. Il apparaît dans un film. Est-ce qu'il est le personnage principal? Dans ce cas-là, ce serait Attic. Non, je crois pas qu'il ait fait de film. Non, je sais pas, ok. Est-il les cheveux plutôt longs? Non. Là, il pense à Attic. Hein? Là, il pense à Attic. C'est. Si on écoute ses paroles, oui. Allez. Ton personnage est-il. Ton personnage est-il originaire de Marseille? Je vais voir. Sûr, il pense à Jules. Ouais, peut-être. Comment je fais pour savoir où vient d'où? Tu vas sur Wikipédia, tu tapes son nom. J'ai la flemme d'aller sur Wikipédia en plus, ça va. originaire. Origine. Ouais, bah non. 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 Ok. Bien sûr, il y en a une 9-3. Il vient d'une ville qu'il a mis dans son dernier album. Est-ce que je le connais même? Oui. Oui. C'est le titre c'est ASB. 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 Ouais. Le titre je le connais pas mais l'album je dois le connaître normalement. Ouais, mais je crois pas que tu vas aimer hein. Je crois pas que je vais aimer, je pense. Ouais, non.
Sachez que je ne suis pas du tout rap et que je déteste le rap. Lui, il adore ça, il met ça à fond dans sa chambre. Hein. Mais non, moi j'aime pas. Il y a une photo juste à gauche. Oui, t'inquiète, non, c'était une vidéo que j'ai faite tout à l'heure, à l'hôpital. Ah, ça, ça va rester au montage. Hein? Hein? Ça va rester au montage. Non. Ton personnage possède-t-il la Triforce? C'est quoi? T'es sérieux? Oui. Cet homme ne connaît pas la Triforce. C'est dans Zelda, la Triforce. Mister V. Non. Mais en même temps, je t'avais dit de Mister V tout à l'heure, du coup. Ouais. Je veux juste savoir si vous savez, vous, dites-moi en commentaire maintenant, là, tout de suite, si vous savez de qui il parle. Ouais. Personne ne fait jamais... En fait, je demande ça, même si moi, quand je regarde des vidéos que les youtubeurs demandent et que les youtubeurs demandent ça, je ne fais jamais ça. Bah oui, c'est logique, ça sert à rien. En fait, ça sert juste à gratter pour la référencement. Pour le référencement. Le référencement. Mettez en commentaire ce que vous avez mangé ce midi. La thune. Oui. La moula. Didier... Ah non, merde. Didier Deschamps. Comme le joueur de foot. Non, c'est... C'est aussi un joueur de... C'était un joueur de foot. Oui, très longtemps. Attends, du coup, faut que je... Tu fais quoi, là? Ah, j'ai peur. Didier Deschamps, né le 15 octobre 1968 à Bayonne, est un footballeur international français devenu entraîneur. Depuis 2012, il est le sélectionneur de l'équipe de France. Après avoir intégré le centre de formation de FC Nantes... J'arrête. C'est très chiant, mon casque. Oui. A-t-il les cheveux jaunes? Non. Comme la piste, hein? 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 Non. Ton personnage est-il passé dans le camp des gentils au camp des méchants? Du camp des gentils au camp des méchants. C'est quoi ça? Je sais pas du tout. Bah, mais ne sais pas. Hein. Tu t'amuses avec la paix. Chut. T'es un gamin. Oui. Sont-ils des francs? T'es trop proche du micro. Oui. Non, en vérité, ça va. Faut juste qu'on baisse le gain. Si sont-ils des chansons françaises? Oui. Oui. La société clique ses produits, ma soeur, essaye. Il l'a pas trouvé. On va prendre ça en photo. Monsieur, il a pas trouvé. Il a pas trouvé. Il a pas trouvé. Il est nul. Sinon, c'était qui? Bah non, on continue. Sérieux? Ouais. Et s'il a pas trouvé, il va pas trouver, il va jamais trouver. Si. Je crois qu'on peut faire... Réessayer. Peut-être qu'il t'a juste pris coup. Ah non, c'est bon, en fait. Est-il creepypasta? C'est quoi ça? est une légende urbaine diffusée sur Internet pouvant se décliner sous plusieurs formats, j'en ai marre. Elle lit. Vois si tu fais mieux que moi. Une creepy. Allez. Attends, non, j'ai rigolé. Okay, c'est pas la même chose. Ok, vas-y. Attends, je lis une fois dans ma tête. Oui. Comme ça, après, je serai à peu près... Vas-y. A few moments later. C'est bon. Bon. Une creepypasta est une légende urbaine diffusée sur internet pouvant se décliner sous plusieurs formats et ne diffère que par l'utilisation de contenus multimédia. Bien vu, moi j'ai pas eu le droit de lire avant toi, mais tranquille. Ton personnage apparaît-il dans une chaîne de D8? Sur la chaîne D8. Oh, c'est long, c'est longtemps. Ah ouais? Maintenant c'est C8 depuis longtemps. Sérieux? D8. On dirait maintenant ça, j'ai jamais fait. Oh là là. D8. Est-ce que ça apparaît, il apparaît sur C8? Donc touche pas à mon poste, et vu que tout le monde passe sur touche pas à mon poste. Non, pas moi. Hein? Pas moi. Oui, non, mais tous les mecs un peu préconnus, genre. Oui. Comme Michou. Comme... Noxtag, il est pas passé sur tête. Non, comme... Squeezie. Ah non, pas... Non, il est passé sur SLT. Ça lui était rien. Ah oui, oh bah ça... Il s'était fait allumer, mon gars. SLT, ça veut dire salut aussi. Ouais, je sais, c'est le but, en fait. Bah non. Salut les terriens, c'est SLT, et du coup ça veut dire salut, tu vois. C'est... Go, continue. Allez bah, ne sais pas. Ne sais pas. Je regarde pas la télé, mademoiselle Valérie. Chanson de chasse. Mais on a mis un personnage, non? Oui. Mais il est bête. Ouais, j'en ai marre. Hein. Oui. Tu veux pas en faire un autre sur le perso? Du coup, je gagne un point. Du coup, tu gagnes un point? Ah bah, du coup. Bah, je sais pas. C'est elle ou pas? Non, genre. Bah non. Continue. Bah, si tu es là, on arrête et je mets une de ses musiques. Comme ça, maintenant tu vas savoir. Mais on arrête tout et. Bah, je sais, tu gagnes pas de points. Mais du coup, ça gagne. Bah, si, je gagne un point parce que t'as pas trouvé. Oui, mais lui aussi, il a pas trouvé, du coup, en fait. C'est... Je gagne un point quand même. Non, bah, du coup, on continue. Notre.
Il est parti loin. Est-ce Booba? Non. Non. Viens, on arrête. On arrête celui-là. Ouais. Mais j'ai gagné un point. Il pète le crâne. Vas-y. 2-1, 2-1. Dernière game. Je te fais écouter une de ses musiques. Vas-y. Sachez que je ne connais pas. C'est le mauvais sort, pas par la porte. J'ouvre la fenêtre et je m'en sors. Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. C'est qui? J'ai fait un petit peu compliqué. T'as compris la prise de l'autre. Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. À manger ça fait mourir, yeah. Et je suis habitué au chauffage, yeah. Tes besoins vitaux sont payants, yeah. T'as compris la prise d'otage. C'est Vald. C'est Vald. Ah. C'est Vald. Je connais Vald genre vraiment comme ça vite fait, mais j'écoute pas ses musiques genre. Les gens, ne dites pas je suis con, ne faites, je suis pas un ennemi public, d'accord. C'est juste que je n'écoute en aucun cas le rap. Je ne screenerai pas ma playlist pour des raisons de confidentialité. Non mais en gros là moi. Tranquille. Tu la mettras au montage, je te connais. Oui. Allez, du coup, bah suivant, là il y a 2-1. Est-ce que j'ai le droit de mettre un extrait d'une musique de Vald pas très connue pendant 3 secondes? Non. Extrait. J'baisse le monde comme un notif. J'baisse le monde comme un notif. On fou. On dirait fou. Sélectionner le thème du jeu. Donc là, c'est à moi. Ouais. De choisir quelqu'un. Il fait bien connu. Parce que Anonymous, il est connu. Ouais, vas-y. C'est bon, connu. Il est vraiment très connu. Hein. Squeezie. Est-il là? Allez. C'est lui. Oui. Non. Oh, c'est pas possible. Un génie. Du coup, il y a 2-2. Allez, dernière game. Génie que quelqu'un fait. Que je connais vraiment. Et là, c'est 2-2. C'est la game qui départage. La game qui vaut tout. Allez, vas-y. Tout ce que je veux, c'est t'aimer et noyer tes erreurs dans le passé. Tout ce que je peux espérer, c'est de soigner ces cœurs qu'on a cassés. Allez, garçon, fille. Garçon. Garçon. Est-il un youtubeur? Oui. Attends, rapproche ton micro parce qu'il est trop long. Est-il dans le milieu du jeu vidéo? Oui. S'il y a Fortnite. Allez, c'est Cyril MP3. MP3? Non, c'est pas lui. C'est Cyril, c'est Cyril. C'est pas Cyril MP3. C'est pas Cyril MP3? Non, pas Cyril MP3. MP4. C'est Cyril MP4. Oui. Oh oui, c'est Cyril MP4. Putain, ça m'est venu comme ça. Cyril MP3. MP3. Ah, c'est Cyril. Mais il s'appelle plus Cyril MP4. Si. Il s'appelle Cyril, non? Non, Cyril MP4, je crois. Cherche Cyril sur. Je vais chercher parce que. Ah oui, il s'appelle toujours. Ah oui, il s'appelle toujours Cyril MP4. Oh là là, t'as mis du temps! Eh bah oui, c'est vrai que du coup, normalement, je le connaissais, ouais, c'est vrai. T'as tellement mis de temps! Non, il est pas passé à la Redbox, hein, moi, non. Si, il est déjà allé. Mais il est pas. Il est pas resté. Il a pas son studio. C'était juste. Ok. Un passage. Oh, c'était long! Donc, les gars, bah du coup, j'ai gagné.
Épisode 2 à 50 000 pouces bleus. À 50 000. épisode 2 sur la chaîne de l'Homsgo si jamais elle avait bien sorti un jour. À 50 000 pouces bleus. Non. Je préfère quand j'ai pas d'idée. Hein. 50 000 pouces bleus. Peut-être pas à, allez, on va dire à 30, ça n'arrivera jamais, hein, 30, non. Épisode 2, si Anonymal vient à cette vidéo, du coup vous devez le arrobase. Voilà, si Anonymal met un commentaire sous cette vidéo, épisode 2, jamais de la vie ça. Qu'est-ce qu'on est en train de demander? Personne va se faire chier en plus, parce qu'on est juste des vieux cons qui font n'importe quoi. Je lui ai envoyé sur Insta, je lui ai demandé si tu veux. Allez, mais elle est pas encore sortie, tu lui demanderas quand elle est sortie la vidéo. Oui, peut-être. Allez, si Anonymal met un commentaire sur cette vidéo, bah on fait une un épisode 2 sur la chaîne de l'Homsgo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mais pas la sienne. Si, abonnez-vous. Abonnez-vous quand même à la mienne. Du coup, c'était Oxtéon. Ciao. Oh, déjà ? Ouais, voilà. Ah oh, ouais, ton outro, il est rapide. Hein. Vraiment, voilà. Bah, c'était déjà l'outro tout à l'heure. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le bouton à droite de l'écran sert à s'abonner à la chaîne d'Oxtéon. Les deux boutons présents à gauche servent à visionner des vidéos de type qualitative de la même chaîne ou d'une chaîne différente en fonction des vidéos. Si vous n'appuyez pas sur ces boutons, nous vous informons que nous cracherons l'avion dans les plus brefs délais.